Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus à ce webinaire de présentation de la technologie de transport à côte. Et comme d'habitude, nous nous retrouvons chaque lundi pour pouvoir faire un débrief, pour pouvoir faire un compte rendu des différentes activités du projet, l'évolution du projet durant toute la semaine. Alors, aujourd'hui, dans ce webinaire, bien évidemment avec moi, Donatien Gérard, nous pourrons parler des dernières nouvelles du projet. Nous parlerons aussi des facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous verrons les problèmes, risques et sécurité des systèmes de transport actuels, les possibilités aussi, les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport, et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons qu'est-ce que Skyward Community vous offre et quel avantage et perspective vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, USky Transport a présenté un U-Bus confortable et sûr. OK? USky Transport présente des modèles sécurisés U-Bus 40-210 et U-Bus U4-220 et U-Bus GRAT. Ils sont conçus pour des trajets quotidiens confortables le long des routes urbaines et suburbaines dans diverses conditions climatiques. U-Bus est un transport ferroviaire électrique sur roues en acier conçu pour les routes urbaines et suburbaines. Il se déplace sur des estacades, avec une structure de trajet précontrainte basée sur le rail à cordes innovant USky. Tous les modèles U-Bus sont commandés automatiquement et entraînés par une traction électrique. Les moteurs électriques sont alimentés par un système de suspension caténaire ou par un accumulateur intégré. Ils sont combinés avec les roues en un seul nœud, la roue moteur. U-Bus U4-210 peut transporter 14 personnes. U-Bus U4-220 peut transporter 100 personnes. Ou même plus, grâce à l'installation de modules de transport supplémentaires des wagons. Ainsi donc, le système de transport USky est capable de transporter jusqu'à 50 000 passagers par heure. En outre, les cabines de tous les modèles U-Bus sont équipées de systèmes de microclimatisation, d'éclairage, d'informations audio et vidéo. Les principales caractéristiques de ces différents véhicules sont les suivantes. Pour ce qui est de l'U4-210, la longueur c'est 5100 mm, largeur 1340 mm, la hauteur, est de 3200 mm, autant pour moi,
et elle peut supporter 14 passagers. La masse à vide en ordre de marche est de 2450 kg. La masse à charge, 3500. Niveau de bruit, moins de 115 décibels. Point maximal, 15%. Vitesse maximale, 150 km par heure. Alors, la prochaine nouvelle intéressante ici, c'est le fait que Uscat Transport commence la certification de la quatrième piste d'essai. TUVSW Standardization Certification en deux étapes de la quatrième piste d'essai de U-Sky Transportation and Infrastructure Technology de 2,4 km de long. La piste est conçue pour déplacer des trains de marchandises et de passagers pesant jusqu'à 60 tonnes et des vitesses allant jusqu'à 150 km par heure. En Indonésie, on est intéressé par le transport à cordes. Uniskesting Technologies Inc. continue de travailler dans le cadre d'un accord avec ITS Indonesia. Le contrat avec cette organisation concerne l'application de la technologie UST dans tout le pays. Les autorités considèrent comme l'un des domaines clés de la coopération la possibilité d'utiliser les complexes UST comme une solution de transport pour allier les îles. Un nouveau niveau d'accessibilité de transport. Les îles de Sumatra et Java sont l'une des régions où l'application des solutions de transport et d'infrastructure de l'UST est envisagée. Chaque jour, le détroit qui sépare ces îles est traversé par un grand nombre de ferries. Cependant, ces derniers temps, le transport maritime a de plus en plus de mal à faire face aux flux d'autobus, de voitures et de camions. L'escalade du rail à cordes situé au-dessus du sol ou de l'eau ne nécessite pas de création de remblais de terre, d'excavation, de ponts, de viaducs, d'échangeurs ou plusieurs niveaux de ponceaux. Un tel itinéraire peut servir à la fois de moyens alternatifs de transport de personnes ou de marchandises. De personnes ou de marchandises entre Sumatra et Java et des liaisons entre les centres de transport et les grandes villes des deux îles. Les embouteillages seront le problème d'hier. Java est l'une des îles les plus peuplées du monde. Elle abrite 150 millions de personnes. Waouh! À Sumatra, la population est d'environ 58 millions. Les systèmes de transport UST peuvent transporter jusqu'à 50 000 passagers par heure. Non seulement les embouteillages, mais aussi les accidents sont exclus. Il y a une redistribution du trafic des passagers. En conséquence, les principales routes utilisées dans le transport terrestre sont moins fréquentées. La piste UST rendra le trajet de Sumatra à Java rapide, accessible et confortable. La fiabilité est sans précédent. La sécurité dans la technologie UST est un autre avantage qui est très pertinent pour l'Indonésie avec une activité sismique élevée. Grâce à ces caractéristiques de conception, les stakades aux tremblements de terre, aux tsunamis et aux inondations. De même, si un ou plusieurs supports intermédiaires sont endommagés ou détruits, la structure de trajet restera entière grâce aux cordes précontraintes de la structure. Actuellement, les représentants de UST Inc. et IST Indonesia travaillent ensemble sur plusieurs domaines de développement des infrastructures de transport dans la région. Selon le président de ITS Indonesia, Williams Sabandar, une collaboration avec Uniskesting Technologies renforcera la capacité de l'Indonésie d'utiliser les technologies de transport intelligentes. Nous vous rappelons qu'outre les programmes de transport UST Inc. met en œuvre avec le gouvernement le projet Vision of Indonesia 2045 qui vise à améliorer l'économie. Alors, nous parlons ici de cette technologie de transport à cordes. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit bien évidemment
de la technologie de transport à cordes. Qu'est-ce que c'est? Une solution innovante au problème de transport moderne, urbain, de marchandises et à grande vitesse. Un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, qui donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. En 1914, l'usine de confiserie russe, appelée Eniem, produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. En voilà une escatade ajourée avec un wagon suspendu. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. Dans l'illustration suivante, les voitures, les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues. Mais dans le ciel, on aperçoit toujours le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez ici vous est déjà familière, pas seulement sur les images. C'est notre monde, le transport de niveau 1. C'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements des transports affectent l'économie. Les transports, les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne. Le trafic dense des routes de transport et la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Elle vit sa vie et essaye de résister à l'homme, tant bien que mal. Celui-ci reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution, donc, de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant notre voiture dans une prise électrique, nous nous connectons indirectement à une centrale électrique qui, elle, fonctionne à partir des combustibles fossiles. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi, c'est de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les rivières, les ravins, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque. Jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue rouleau par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Il ne faut bien évidemment pas confondre ce système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors, le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure du trajet. Alors, qu'est-ce que YouSky avant de continuer? Il s'agit d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place des systèmes de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet YouSky. Plus les pistes à cordes apparaîtront dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport YouSky, il sera de moins en moins nécessaire de couper les forêts, de détruire les routes, des voies ferrées et d'utiliser d'autres méthodes similaires dans la zone d'habitation et de construction. Nous créons clairement ici l'industrie des transports et des infrastructures.
qui n'est pas inférieur dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, fixons-nous le problème qui consiste actuellement à se déplacer donc d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer l'énorme masse de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste donc à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Alors, à ce moment, nous pouvons poser le rail et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. OK. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, OK, on va plutôt poser le câble. Les supports lourds ne seront pas nécessaires en ce moment. On va les remplacer donc par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer donc ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare, en levant ensuite les supports qui n'étaient pas du tout nécessaires et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. Voici à quoi ressemble cette structure de rail unique en section. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. En voilà la tête du rail, les cordes qui sont des faisceaux de fil précontraints. On a ici un agent de remplissage qui est un béton flexible pour lequel notre CEO a déjà obtenu aussi un brevet. Et on a le corps du rail qui constitue donc l'enveloppe. Sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet à cordes, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Une structure de trajet semi-rigide, une structure de trajet rigide et une structure de trajet flexible. La conception du châssis est la suivante et on se rend bien compte que dans cette conception, il y a un système anti-déraillement spécial. Regardez ici les dimensions du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage qui montre les haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. Et en passant dans ce cas, donc, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement bloquée par une seule travée. Ici, c'est une photo magnifique qui a été prise à Sharjah au Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah. Et une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie qu'ils n'entendront pas le bruit caractéristique des roues en acier. Ce sont les investisseurs de partout dans le monde qui sont retrouvés là-bas, au centre test, et qui ont pris cette magnifique photo. Ici, c'est une photo de moi, à ce même centre test, devant une Unica tropicale. Ok, c'est quelque chose de vraiment, vraiment magnifique. Quand on est devant cet engin, on est content, on ressent véritablement que notre agent est en train d'aider à améliorer le monde. Il est possible de réduire la surcharge, ok, sur la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagon automoteur et les envoyer non pas toutes les heures mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air.
Lorsque la vitesse du véhicule augmente, sa consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci, de carburant. Sur le transport de second niveau, les fusées au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici l'appareil réel qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Cette image ici montre les caractéristiques des deux véhicules, ainsi que le recalcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne, à savoir la surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Dans ces différents diagrammes, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que U-Sky offre est peint en vert. Nous avons donc la conclusion que U-Sky transporte à la solution la plus optimale. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Nous pouvons donc dire à ce moment que le transport à cordes U-Sky est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Alors, tout le monde a la possibilité de participer à ce projet. Tout le monde peut investir. Nous vous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars. Un plan d'investissement pratique divise le paiement du package d'investissement par 5 mois. Il y a aujourd'hui plus de 400 000 investisseurs avec nous, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Les perspectives d'investissement. En nous rejoignant aujourd'hui dans ce transport magnifique, en participant donc à l'avènement de transport écologique et sûr, vous pourrez, premièrement, gagner des dividendes. La mise en œuvre réussie du projet vous permet de gagner des dividendes de la part de tous les projets de l'entreprise. Le rachat d'actions. L'entreprise peut annoncer le rachat d'actions. Elle a déjà fait en 2018 pour les 5 000 premiers investisseurs qui ont eu la possibilité de revendre leurs actions avec un profit jusqu'à 10 fois. L'héritage. Les actions sont votre propriété, vous pouvez les léguer à vos enfants, petits-enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à leur valeur nominale. En cas de décision de l'entreprise de participer à l'échange, entrer sur le marché boursier, vous pouvez avoir la possibilité donc de vendre vos actions. L'auteur du projet est Anatoly Yunitsky, c'est ce monsieur à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voit le monde. Ce monsieur a développé une technologie optimale, efficace et sûre. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Ici, nous avons les différents modèles de transport pour le transport des passagers. Nous avons près de 11 modèles. Et près de 4 modèles pour le transport de marchandises. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus de l'eau et des routes sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre donc facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de... de structures par des drones volants, fournis également par la technologie.
Le transport à cordes s'intègre très facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales où il a toujours attiré beaucoup d'attention. Ces photos que vous voyez ici ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition InnoTrans. Notez la photo en haut à gauche. Les employés du stand de téléphérique suisse et tous ceux qui sont présents regardent en direction du U-Flash. OK? Et cette même attention a été prise en 2022 lors de l'expo InnoTrans en septembre dernier. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule impliquant le transport des personnes doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site. La technologie de transport à cordes a obtenu 83 brevets dans 18 pays, des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses également. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les trouver sur le site web linsky.ingénieur. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Voilà pourquoi la société Uniskristine Technologies a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété de bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et de passagers, urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse. L'argent des investisseurs a permis jusqu'ici de construire un éco-technoparc d'abord, non loin de la ville de Minsk, en République de Biélorussie, à Marina Gorka. Et chaque année, à l'heure de l'éco-fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs yeux tout ce qui s'y passe, leurs progrès et les réalisations. À chaque fois, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Skyway lorsqu'il entrera sur le marché du groupe Uniskistring Technologies, autant pour moi, lorsqu'il entrera sur le marché mondial du transport, sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie, plus précisément. Les photos que vous voyez ici sont prises en 2019 sur le site de construction. Le transport à cordes aux Émirats Arabes Unis sera une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement dans le paysage naturel et ne nous surprendra plus comme le fait le métro ou le tram aujourd'hui ne nous surprennent plus du tout. Alors, nous pouvons donc dire clairement que le transport à cordes est un transport innovant, au-dessus du sol, à haute vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Alors, avant de vous laisser, j'aimerais vous dire merci pour votre aimable attention et je vous laisse avec cette vidéo de présentation, OK, des différents modèles de véhicules utilisés dans la technologie de transport. D'accord, et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine.
Thank you.